Allez, bonsoir les gens. Je suis désolée, j'ai une petite voix ce soir. Je suis fatiguée, fatiguée, fatiguée. Fatiti. On pourrait le dire, fatiti. À quoi qu'on joue ce soir? Ce soir, on joue à Thomas Was Alone. Un jeu que je ne connais pas du tout et que j'ai acheté sur les conseils d'un ami. Voilà, parfait. On est parti pour une nouvelle partie. The program was a failure. People forget this. It was a massive flop. The coders started adding name strings to the AE as a joke. Thomas was alone. Wow. A weird first thought to have. Oh. Ok, gauche, droite, et on saute. Ok, ça a l'air d'être plutôt simple. Thomas decided to start listing his observations for posterity. One, the whole alone thing. Two, portals. They led somewhere. He'd yet to work out where. Three, falling. Thomas was absolutely fantastic at falling. He was almost as good at falling as he was at observing. Je suis très fort à... Hop. À remonter. Magnifique saut. Ce superbe saut. C'est incroyable. Hop. Broum. Okay, interesting. Thomas couldn't fall past this block. Think, damn it, think. What if there was some kind of inverted fall. Yeah. Some way to... What's the word? Jump. Vachement fort, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Thomas had solved the great inverted fall mystery. Ça a l'air parfait. Ce jeu a l'air parfait. A big jump. But Thomas noted there was no real danger in missing it. The world didn't want him to fail here. It was pushing him, but gently. Superbe saut. The machine. This okay. All seemed a little dangerous. The world was not to be trusted. It was unstable. Ouais. And it seemed to Thomas that it could let him down at any moment. Oui, effectivement. He was starting to suspect. Désolé. J'étais un peu rapide, j'ai pas eu la fin du dialogue. Thomas wondered the portals were actually taking him anywhere. He felt like he was making progress, but there wasn't really any way to know. He seemed to be moving predominantly up and to the right, which might, or might not, be important. Certains diraient, et se plaindraient, que nous ne nous dirigeons point vers la gauche. Alors attendez, j'ai peut-être le son qui est un peu fort par rapport à mon son de micro, ouais. Voilà. Mieux, mieux, beaucoup mieux.
beaucoup mieux. Hop. Ah. Ah, cool. Coucou Hendrix. Romain, il m'a dit aussi qu'il trouvait ça trop cool et qu'il était super content que je commence le jeu. Je crois que c'est toi qui m'avais dit que je devais l'acheter parce qu'il est cool. La musique est géniale. Hein. Je comprends pas pourquoi je suis pas tombée sur la bande originale plus tôt. Presse. Hein, ils sont bizarres ces trucs. Ah, on n'entend pas le son du jeu. Ok, donc je vais le remonter. Je l'avais baissé parce que comme j'ai une petite voix de petite souris. On m'entend pas trop. Pipalou. The loneliness was getting to Thomas. No amount of observation or obsessive note-taking could combat that. Eh bien, j'aurais pu avoir peur d'être moi aussi seule, mais en fait, il y a Hendrix dans le chat, donc ça va. Est-ce que c'est mieux le son de jeu comme ça ou est-ce que c'est encore à peine assez fort? Non! Bon. Finalement, ça se transforme en run de Get Over It. Oh, les jeux d'ombre sont sympas comme tout. Je vais être à peu près aussi réactive qu'une huître ce soir. Je suis vraiment épuisée, quoi. Ça m'a épuisée ce qu'on a fait. Faut que j'aille là-haut. Ok. Non! Ça manque la voix du narrateur qui dit des trucs quand on tombe tout en bas. Ouf, dirons-nous. Thomas had a new theory. The world was training him. He could feel himself getting smarter. There was the mental list to consider. Over the minutes and seconds since his spontaneous generation, he'd become a pretty skilled jumper. Ah, je me demande s'il n'y a pas moyen. Du coup, ce que je peux faire, c'est baisser un peu la musique. Ouais. He was evolving. He just wished he had someone to share it with. Ouais, justement, le but c'était comme ça, on entend mieux le narrateur.
comme ça. La musique est pas trop forte, elle couvre pas ma voix. Si, un peu. J'aime bien le bruit que ça fait. Du coup, la musique elle est toujours un peu forte là. Hop. Par contre, c'est bien de pouvoir régler les trucs indépendamment. Laissez-moi sortir. D'accord, quand je le fais au moment où ça remonte, ça marche mieux. Oh! Fin du monde! Chris took an immediate and deep dislike to the skinny red rectangle. Who the hell did this Thomas think he was? Ok, contrôle facile. Je ne peux pas pousser les autres, par contre. Oh, insupportable. Ils sautent moins. Ok, d'accord, je comprends. J'ai compris ce qui se passe. Chris had been doing fine. He wasn't the highest jumper, but he'd held his own. He'd even been graceful at times. Well, not actually. Not technically graceful. It's probably the wrong word, but you know, fine. There was that skinny little runt leaping about like he owned the place. Oh là là. Oh la galère. Oh, ok, d'accord. Salut. Alors, tu vas venir. Attendez. Je reviens. Je vais éteindre la lumière. Je vois rien sinon. Ah, mieux. Allez, mieux que ça. Ok, d'accord. Non. Ok, c'était une qui s'en allait. Hop! Allez, petit pote. Parfait. Allez, l'autre petit pote. Coucou, Sylvain! Comment ça va? Ah, j'ai pas compris. Quel bouton? Utiliser parce que ça a l'air d'être utilisable ces trucs, mais je sais pas comment faire. Bref, je trouverai. Ah non, il suffit que je passe dedans, d'accord. Un pec. Ah, c'est un checkpoint, ouais, il suffit que je passe dedans donc. Ok. Ok. This was more like it. A glowy white. Thing. Only Chris could get to it. Coucou Alice. Which of course made it all the more enticing. What would it do? What new opportunity might this switch open up to him? Haha. Tiens, un petit pote, monte sur l'escalier, toi qui sais bien sauter. Oh là là.
Oh, volume sur 20. Grace, Grace. Another chance for Thomas to jump slightly higher than Chris. How fortunate. Seriously. C'est parfait. This made the whole switch-pressing thing entirely worthwhile. Alice, oui, je stream, ça fait depuis le début de la semaine. C'est ça. J'ai commencé lundi. J'ai recommencé lundi. Avant, je streamais un peu. Enfin, j'avais commencé à streamer cet été. Puis je m'étais un peu désintéressée du truc. Et finalement, j'ai repris l'activité. Et du coup, j'ai un petit planning et tout. Enfin bref, j'ai essayé de me caler en dehors des horaires des autres. Mais bon, ce soir, je stream un peu tôt parce que je suis crevée. Comment allez-vous? Je remercierai Shiro. Because on the surface, it did not seem good. Chris was pretty scared. Little Red seemed fine, happy to be on his merry little adventure. Chris couldn't shake the feeling that things had taken a significant turn for the worse since Thomas had joined him. Sure, he'd been able to piggyback his way to ever so slightly higher platforms, but where had that got him? Well, to ever so slightly higher platforms, which was sort of his point. Bon. Je ne peux pas sauter avec le pote sur la tête. Du coup, puisque on a Chris et Thomas. Thomas, c'est le rouge et Chris, c'est l'orange. Alors, je ne sais pas si c'est visible pour les daltoniens, on va dire plutôt. Thomas, c'est le petit qui saute moins haut et Chris, c'est un peu plus long qui saute plus haut. Ok, d'accord, c'est pas possible de faire comme ça. On va faire du platforming de qualité. Ah oui. Désolé, pour moi, le rouge, je le vois un peu orange, en fait. Du coup, celui-là, là, celui que je suis en train de manœuvrer... Whip, whip. Je le trouve ocre. Fake news. Haha, du platforming de qualité. Ah, et ben écoute, je me suis trompée, voilà. Chris stared at Thomas with pure hatred. He seemed so very happy at their situation. Friends together. A brave fellowship of quadrilaterals on a quest for greatness. That would be fine. But it was all the obvious observation that Thomas was doing which grated. Every time they saw something vaguely new, Chris would hear a satisfied little hmm from the vaulting idiot. He hoped the next portal would split them up. If only for a few levels. Okay, d'accord. Un peu de great platforming, je vous prie. Coucou Gritch. Gritch, est-ce que ça se prononce Gritch ou Grietch?
sens qu'en bas il faut y aller. Je sens qu'en bas il faut y aller. Flûte. Non, il n'y a pas de souci, Sylvain. Hein. Fais survivre tes casseroles, je pense que c'est plus important. N'était absolument pas obligé en aucune manière de signaler que tu t'étais sauvé. Et ben oui, il paraît que personne ne savait que je streamais. Et en fait, si. Et en fait, si. Je stream de temps en temps. Ah! Je stream le lundi à midi, le mardi à midi, le vendredi soir le soir et le samedi soir le soir. Ou la nuit. Oh non, ça va être chaud. Oh, ça va être trop dur. Mes skills se sont améliorés. Ils ont mis un checkpoint au milieu, quelle gentillesse! This was his chance, a moment to shine. This was game day. Ah, du coup, John est jaune. Est-ce que vous pensez que c'est fait exprès? Moi, je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, je trouve ça marrant. Ok, d'accord. Eh ben, ça va pas être simple. Oh, je peux faire ça. Comment je vais faire? Est-ce que je peux pas faire? Ouais, je peux pas sauter quand j'ai quelqu'un sur la tête. Je suis cerveau, je suis complètement cerveau. C'est encore une histoire de pile de crêpes. Ok, d'accord, j'ai trouvé. Non. Oui, parfait. Wow. Bah, c'était difficile, hein, la réaction. This would not do. John needed room to show off his exceptional skills. As it was, he was trapped on the wrong side of these little dot things. Where did they come from, anyway? Ah, c'est le ramage. Si c'est le stream qui rame trop, enfin si c'est Twitch qui rame trop, tu peux essayer de l'ouvrir avec VLC. John inhaled the air of the open space and it smelled of awesome. Ben, essayez de... Time to flex those muscles, ben to oui. Put his training to use time to show those little dots how it was done. J'ai changé la résolution du stream pour qu'il soit de meilleure qualité, donc je sais pas si vous pouvez changer la qualité dans le player directement. Okay. John decided to press the switch to let the little dots catch up with him. John cared for his new allies. You could tell from the sympathetic expression he'd practiced in the mirror all these years. Ah,
si je stream qu'en 1080, ça va être pénible. Ah ouais? Quand j'avais testé l'autre fois, ça, les autres résolutions, tu pouvais y accéder. En fait, il me semble avoir vu dans les settings que c'est quelque chose qui est possible que quand on a un certain niveau sur son compte de stream, et je suis étonnée, je me rappelle plus exactement, et du coup je pensais qu'effectivement ça serait problématique. C'est pour ça qu'au départ je l'avais pas mis en très très haute qualité. Ah. Je demande à Ditz si... ou même aux personnes qui stream. Enfin... Je vais regarder. Rapidos pour la qualité. Alors. Coucou Sosa. Bienvenue. Ah. Donc, il y a 6 mois, quelqu'un demandait sur Reddit. Tatati. Ah, c'est bien. Tu streamais quoi? Je suis désolée, Grinch ou Grietch. Undrix, en fait, le stream en 1080p 60 fps est déconseillé quand on n'est pas partenaire parce qu'en fait, il y a le transcoding qui est derrière, en fait, est crasseux si on n'est pas partenaire. Mais du coup, c'est pour ça que ça lag plus. Bonne soirée, Grinch. Je suis vraiment désolée.
Non, il y a, je vois rien de particulièrement. Ouais, le problème c'est qu'il faut que je restarte OBS pour changer. Faut que j'arrête le stream 2 minutes. Donc je vais couper le stream rapidos. Je pense changer les réglages et puis revenir. À de suite. Allez, j'ai mis en 720p, vous me direz si ça ramouille encore beaucoup ou pas. Oh, le retour de l'empilage de tout à l'heure. Alors, on avait dit. On prend John. On prend Thomas. On prend Chris. On derpe. On pousse Thomas. On pousse John. On pousse Chris. On prend Thomas. On Chris. Et on prend John et ça ne marche pas. John was happy to keep helping. Ah. He felt it was important to his image that he was seen to help the little guys. Voilà, ça marche mieux. Ça marche vachement mieux. Ça va. Ok, d'accord. C'est le derpage. Il faut recommencer. Oh là là. Blaise, donc du coup il faut bien que je fasse passer les autres. Je suis fatiguée, mon cerveau avance vraiment très très lentement. Hein. Désolée si votre patience est mise à l'épreuve. En regardant ce stream. Du coup, est-ce que ça marche mieux comme ça pour ceux qui n'ont pas la fibre? C'est eux qui n'ont pas la fibre, plus exactement. Oh non! Encore, il faut que je réfléchisse. Aujourd'hui, j'ai eu des prises de sang et du coup, mon cerveau, il n'a pas apprécié ce soir. J'étais vraiment fatiguée. So much either. The red one, Thomas, had a charming way of applauding every time John jumped. Ce jeu est trop mignon. Ce jeu est vraiment trop mignon. Et John. N'oublions pas John. Oui. Oui.
Non. Ah, ça se passe. Donc ça, c'est bien. The angry orange one was less immediately likable, but his unremitting cynicism and tutting amused John. Alors vous seriez qui du coup? Plutôt Chris? Plutôt Thomas? Ou plutôt John? En termes de caractère. Ah, petit bug. La voix off. Oh, t'as pas une voix si grave que ça. Non. Ah. Le carré à droite. Le petit noir qui est dans le coin là, qui clignote et qui tourne sur lui-même. Qui derpime. Thomas le relou, sans hésiter, qui applaudit à tout ce qui bouge en disant que c'est extraordinaire. Un collectible. Oh. Flûte. Interesting. A floating target. This would require coordination, balance, and timing. Ok, non. John was sure the dots would be lost, but he was happy to guide them to triumph. Maybe that's what the dots were for. They were there to extend John's reach, to make his performance even more impressive. John liked the thought. He decided to keep them. Ah bah sympa. Merci John. Heureusement que t'as décidé de nous garder. C'est gentil de ta part. Alors on a dit... Note numéro 4, il ne faut pas plonger dans l'eau. The hero Thomas needs. So, this was how Claire would die. She knew it would happen eventually. She was rubbish at jumping, and she moved slowly. Effectivement. She felt a little like her continued existence was breaking some kind of natural order. The crumbling pillar was a dramatic death, she supposed. Wait, what? Claire couldn't shake the feeling that she was not, in fact, dead. It was at that moment that Claire realized she had superpowers. She had superpowers. Claire, c'est une magical girl. Et voilà, super Claire. She'd need a cape. There was no getting around that. You couldn't be a superhero without a cape. Claire didn't want confusion.
Un cube avec you une saw cape. A cape. That made matters clear. You knew what you were dealing with. Claire was all about communication. And, you know, floating in water, which was her superpower. Donc, ce qu'il faut faire, c'est ça. 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 Et voilà. Oup. Oh là là. Non. Non. Oh, ça va être l'enfer. Je louche déjà. Oui. Non. Est-ce que je peux le sauter en une seule fois? Presque. Non. Claire for the win. Voilà, si c'était clair, eh ben, il n'y aurait pas de problème. Comme nous l'avons vu précédemment. Ouah, on y est arrivé. Extraordinaire. Je n'y croyais pas. Ah bah, mais c'est le right. Bateau. Fear not, my skinny friends, for I am Claire, and I will save you. Hendrix, tu Claire te rappelles? Needed to come up with a superhero name as soon as possible. Claire was rubbish. Non, c'est bien Claire. Tu te rappelles, Tommy? Quand on jouait avec avec les gens sur Guns of Icarus, il y en avait qui avaient exactement cet accent et qui disaient des trucs à peu près du même genre. Je trouve ça rigolo. Alors du coup... Non. Parfait. Claire arrived just in time. Which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Ah, le niveau de l'eau monte. Parce qu'il pleut. Oh là. Oh non. Oh non. Pas un truc comme ça. Oh là là. As the water began to rise, Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Claire wondered if Thomas would make a good sidekick. Oh, was she... Flûte. Je voulais voir si c'était effectivement un... Claire arrived just in time. Which was, of course, the perfect moment for superheroes to arrive. Je me demande... Je voulais essayer d'attraper le petit collectif, là. Claire a assassiné le sidekick. C'est clair. Humour. Humour avec ENT. As the water began to rise, Claire vowed to save this little rectangle in as many restarts as it took. Claire wondered if Thomas would make a good sidekick. Or was she more the lone Avenger type? She'd like that. The sole hero in a world of rectangles and conveniently placed pools of toxic water. Oui. The others told Claire that staircases were a bit of a fixture here. Claire wondered why the world made it so difficult. C'est clair.
J'en peux plus. Je vais plus pouvoir dire c'est clair à chaque fois qu'ils disent quelque chose que je trouve vrai. Oh là là. Alors, est-ce que Claire arrive à sauter sur John? Oui. Oui, voilà. Il n'y a pas que moi qui dis c'est clair. Coucou, panda. Merci de passer faire coucou. Ça me fait plaisir. Hop. Oh là. Claire, we need your help. Je me demande si je fais ça, juste par curiosité, est-ce que ça... Ok, c'est la pousse. Vroom vroom. Laissez passer le bâtal. Oup. Toi, tu viens là. En avant! Je me suis demandé si ça cassait le mécanisme, Sosa. Voilà, je voulais pas l'écraser. Claire probably needed a nemesis, a villain who would show their true colors at the worst possible moment, hurting all she held dear. Chris was the most obvious choice. He seemed stroppy enough, and his jump was so pathetic that it conveniently avoided Claire's insecurities. Yes, Chris. Diabolical Chris. The fiendish Christopher. D'accord, besoin. D'une navigatrice. D'une capitaine. Chouchou. Thomas, voyons, oh là là. Eh ben, Thomas. Faut s'accrocher. Je suis un génie. Claire, en avant toute. Poup. C'est pas le sidekick, c'est a priori... Enfin, Chris a un compas. Where had Chris gone? Was he off somewhere? Plotting Claire's downfall? If Claire was honest, and she had to be because she was a superhero... This was a troubling turn of events. Still, there were reasonably sized bodies of water to cross. Ok. Oula, on a failli assassiner Thomas. Ah mais je pourrais le faire en une seule fois. En fait, Chris, il devait... Au début, il est présenté comme étant un personnage un peu ronchon qui aimait bien vivre tout seul. Et là, il y a d'autres personnes qui ont débarqué chez lui. C'est parfait.
Thomas n'arrive pas à le sauter. Thomas arrive carrément à le sauter sans aucun problème. Vroom vroom, Claire, en avant. Tut tut. Moving platforms over water, eh? Claire's newly heightened senses told her that there were multiple paths across with various possible configurations of the little posse. Alors déjà, essayons de faire ça. Ça m'a l'air d'être le truc le plus simple. Voilà. On a failli perdre Thomas, encore une fois. Ok, là on va avoir besoin de Claire. En avant, John. Bon. Oh! Oh là là, c'est trop cool! Comment... Que s'est-il passé? Je suis restée accrochée à un côté de plateforme. Sûrement, je ne sais pas, un truc. Claire, je vous prie. Ah oui. They were doing really well. Claire hoped she could get them all across. John was fully aware he could do this alone. Thomas hoped he'd never have to. On n'a absolument pas suicidé deux personnages sans faire attention. Personne n'a fait ça. Vous n'avez absolument rien vu. Ok. Claire, STP, sois une bonne pote. Whip. Vous êtes arrivés. Oh là là. John, je n'y arrive point. Mais... C'est complexe, hein. C'est très très complexe. Allez, reviens. Hop. Voilà. Oui, c'est ça. Heureusement que John peut le faire tout seul. Mais c'est pas forcément la faute de John, hein. C'est peut-être ma faute à moi. Oup. Et là, bam, pas de bol. En sautant pour remonter sur Claire, je me jette dans l'eau. Ok, va jouer. Ah. Il y a un mur là. Regardez, poupe. Poupe. Où sont les autres petits camarades? Ok. D'accord, comme ça c'est mieux. Claire was alone. Which was odd. Because she wasn't meant to be alone. She needed to be where there were rectangles to save. Bah écoute, Claire, being the only superhero in a given space kind of defeats the object. Tu vas pouvoir te sauver toi-même. Spikes? That was new. Claire avoided them. She decided they were most likely her kryptonite. Not the rubbish red kryptonite either, the proper radioactive green stuff. Bon. Elle a essayé de les éviter en tout cas. Mais il s'est dit qu'il faudrait... Ah ! Ok, d'accord. Non. Pas deux fois. Ah !
Ah non. Eh ben ça va être compliqué, dites-moi. Ok, il y a des piquets au plafond. C'est vachement accueillant. Parfait. Ok, d'accord. Écoute. Thomas peut se débrouiller tranquille. Wow. Déjà vu. Déjà vu. The world was repeating. And this time Thomas was here. Claire felt something had gone wrong. There was a disturbance in the force. Something had altered the matrix. The world was reacting to their progress. It was amassing its forces. It was plotting against them. Claire finally had a nemesis. Okay. C'est mieux comme ça. Alors, Thomas, il va faire. Si on arrive à appuyer sur les boutons. Merci Alice, c'est parfait. Non. Coucher les pics. Oh là là, ils vont plus vite. Relou sur 20. Donc on va faire ça. On va faire ça. Comment? Voilà, parfait. Oui. Je sais pas si vous avez déjà joué au professeur Layton, mais j'aimais bien les énigmes d'empilage de crêpes. Allez Claire, en avant. J'ai deux musiques en même temps? Oui, c'est ça. Laura was pleased this one was behind a wall. Maybe he'd never know what she could do. Maybe they could just have a conversation. Hang out. As long as he didn't find out what she could do, which would never happen so long as they stayed separate. Ah ouais? Ah mais ils ont essayé en 3D. Oh, ça devait être vraiment très bizarre. Allez Chris, en avant. Viens aider Laura, c'est ça? Notre nouvelle pote. Laura, le rectangle allongé. La musique est vraiment très étrange. Laura didn't have time to worry about the ominous pixel cloud. It had been following her for some time and it had kept itself to itself until now. More important was the little orange thing, which was looking at her in a way that she kind of, well, liked. Alors,
Oh! Énorme! Je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut rebondir sur Laura. As the square, who had shyly introduced himself as Chris, bounced atop Laura, she began to worry that he was just using her like all the others had. They'd all bounced too, and then they disappeared when her back was turned. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment d'être utilisé pour qu'on rebondisse sur vous, pour ensuite vous abandonner? Hop. Poing. Only the ominous pixel cloud ever remained, looking a little bigger and a little less hungry with every disappearing friend. Tous les matins. With every bounce, Laura found herself less and less irritated by Chris. She started to miss him when he wasn't there, on another platform or something. Ok. Ne t'inquiète pas, Chris. Laura est là pour t'aider. Oh. Il me faut Chris. En avant, Laura. Oh là! Si je peux pas y retourner, ça va vraiment être complexe. Oh! Point. Y a pas de soucis, Lulu. C'est juste que ce soir, j'ai commencé tôt. Parce que je suis vraiment épuisée. Je suis épuisée de ma journée. Mais en gros, normalement, je voulais commencer après Ditz. Mais comme en plus, je crois qu'elle a décidé de... Ah ! Non ! Je crois qu'elle a décidé de streamer un peu plus tard ce soir. Du coup, c'était un petit peu compliqué pour moi de... De streamer plus tard. Donc du coup, j'ai décidé de commencer plus tôt et de jouer moins longtemps. Et salut, bien sûr, bien entendu. Oui, donc je disais tout à l'heure, parce que je perds le fil de ce que je dis en ce moment. Je vais probablement ajouter un bot dans le chat. She'd wonder what he was up to. Was he missing her? He wasn't saying very much. Ah, c'est effectivement quelque chose qu'on peut ramasser. Mais non, vous n'êtes pas une secte, voyons. Vous vénérez quelqu'un qui existe. Je sais pas quelle est vraiment la définition d'une secte, hein, donc... Chris was in love. She was perfect. He had to tell her so. At some point, he would definitely tell her. Alors... Probably best to wait for a moment the large, ominous pixel cloud wasn't about, though. Yeah. Probably best to wait. Voilà, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui ne disent jamais à leur crush qu'ils crushent sur eux. Elle. Longue vie au Lulu. Oh là là. Oh là là.
tiens, ça c'est pratique. Ah, c'est ça, le fameux gros nuage de pixels. Ah, t'as perdu un bout du wifi. Tant mieux. Si t'as pas entendu le reste, t'as pas entendu que les gens ici admettent qu'ils te vénèrent. Oh, il est parti. Hein, on a décidé qu'on n'allait pas tenter de prouver à quel point on est des génies en platforming, et on va juste faire ça très très lentement. Oui, c'est un peu ennuyeux. Alors, du coup... Quoi ? Se déplacer pour éviter de mourir en boucle... En bas. Je trouve aussi que c'est pas mal. Le jeu nous laisse la possibilité de faire ça. Autant essayer de ne pas mourir. Voilà. Comme ça, si on fait des âneries comme ça, et ben c'est pas grave. Et je dis pas ça uniquement parce que je suis fatiguée. Et que du coup, réfléchir est complexe. Oui. Alors je pourrais emmener le carré et ensuite juste le rectangle. Mais le problème c'est qu'il faudrait réussir à faire sauter le carré sur tous les piliers les uns après les autres. Parce qu'ils savent pas nager. Il n'y a que Claire qui sache nager. Oui. Chris was massively disappointed to run into the gang again. He'd enjoyed the alone time with his new girlfriend. Oui, voilà, c'est exactement ce que je me disais. Est-ce que quelqu'un pourra nous parler du fait que ça serait mieux s'il pratiquait le polyamour et que du coup il pourrait ne pas être jaloux et que ça serait plus simple? Allez, Chris. Il est l'heure de briller. Was it too early to refer to Laura as his girlfriend? Only if I say it out loud, he told himself. He didn't want to scare her off. Voilà, exactement, Chad. Exactement. Tout le monde saute déjà dessus. Oui. Eh bien, écoutez. Où est l'interrupteur? Là-haut. Bon sang. Oh, c'est trop beau, la lumière dans le jeu est trop cool. Ah bah merci. Others seemed suspicious of Laura, and the eager-looking pixel cloud of death which seemed to be watching her. Sure, they'd use her inherent bounciness to reach slightly higher jump points, but they wouldn't strike up a conversation with her. Chris found them rude,
Rude? And always there. Bon, Laura, elle ne passe pas entre les petits tubes. I know. Vroom. Oh là là. Oh là là. Vous voyez le côté Fort Boyard du truc? Quand il ramasse les clés accrochées au plafond, c'est un peu ça. On y est presque. Hurrah ! Alors. John, je te prie, pousse-toi. Aide Laura. Voilà, parfait. John, en avant. Hop. Et Chris, le bougon. Queen. Alors. The others wouldn't drop it. Who's that cloud guy? Why is he following us? What's that rumbling, hungry sound he keeps making? Chris, can we just leave Laura behind? Rude. Redescends la plateforme. Ah. Alors. Ok. C'est exactement ça, Alice. C'est parfait. Hop. Oh là là. Oh non, she's not gonna make it. Hop. Nous allons avoir besoin de John. Hop. Oui, bravo. Bravo. Les grosses ambiances. Allez, Laura. Non. Je suis Chris. Relou sur 20. Oh là là, oh là là, oh là là. Quand ça se dépile, après, il faut tout réempiler dans le bon sens. Un escalier. Ouais, je me suis peut-être pas mis au meilleur endroit pour faire ça. C'est peut-être... Le problème vient peut-être de là. Ah, mais il y a plus simple. Hé. Est-ce que ça monte assez, ce truc-là? Bah c'était quand même plus simple avec John. Elle fait rebondir les gens mais elle saute pas haut. Hop. Allez Chris. Wink, wink.
Et enfin, celui qu'on attendait tous. Et si... Est-ce que ça marche? Oui, parfait. Parfait, merveilleux. Alors. Alors, du coup. Ouah! Au début, Chris il se plaignait parce que Thomas il... Oh là là! Oh relou sur 20! Attendez, je vais vous en mettre un deuxième, ça sera rigolo. Voilà. Et maintenant, une petite musique sympathique. Des gens qui rebondissent. Et voilà. C'est parfait. Ils ont fini par se synchroniser. Non mais depuis tout à l'heure on le dit hein. Alors. Oh non. Laura liked her new gang. She liked Chris. She liked having friends. Non. These ones seemed to be sticking around too. Not like those losers from before. Ok. Dans un instant de panique, j'ai suicidé les petits potes. Ah non, mais Lou, il faut pas y aller. Il y a que Claire, donc le gros carré bleu, qui peut flotter dedans. Et le problème, c'est que comme l'eau, elle monte assez vite... Oui, ça manque de commandes, c'est ce que je disais. Je vais probablement installer un bot. Mais je veux faire un truc open source, donc du coup, ça va être... Ah ah Alice. Laura liked her new gang. She liked Chris. She liked having friends. These ones seem to be sticking around, too. Not like those losers from before. Alors, on va faire monter Laura à bord du vaisseau. Voilà, parfait. Et Chris, voilà. Queen. Ça va être encore de l'empilage sur Laura. Je le sens. Hop. Alors. Il faut que... J'arrive à aller là-haut. Mais pour aller là-haut... Ah bah oui, non mais si, bien sûr, il y a John. C'est un peu court, Chris.
Ah mais ils sont tous les 5, c'est pour ça que c'est si relou à manipuler. Poussez-vous, s'il vous plaît. Forcément. Ça ne pouvait pas se passer autrement. Bah oui. Sinon, c'est pas drôle. Oh là là. Oh là là. Eh ben, c'était pas facile, hein. Ce petit instant réflexion. Heureusement que Laura l'a pas à monter parce que sinon je pense que je deviendrais folle. C'est même pas que ça devient complexe, c'est que de toute façon, pour mon pauvre petit cerveau ce soir, tout est compliqué. Ah, et vous avez vu, il y a des pics. Regarde, Lulu, ce qui se passe quand on tombe dans les pics. The pixel cloud was getting closer. It was spending more and more time hovering around. Laura could tell it was making the others uncomfortable. Ah bah. Ah tiens, il y a à nouveau la magie de se faire accrocher. Regarde, je t'en montre. Hop, voilà. Alors, Claire Bunsing, qu'est-ce que ça donne? Hashtag lovely girl friend. C'est pas mal. Laura, je sens qu'elle va avoir du mal à monter sur une... Je sens que Laura, ça va être compliqué pour elle. Alors, on va peut-être même passer par l'autre côté. Ah d'accord, c'est moi qui cache la lumière du parterre. Laura, arrête de cacher la lumière du parterre. Waouh, ce move de génie! Non, Chris, merci. Broum. Oups, pardon. Là, ça va être compliqué et impossible pour les daltoniens. Thomas did not like the cloud. He'd long since stopped listing his observations, but he instinctively observed that this thing was bad. Ah oui, alors pour ceux qui, celles et ceux, celles qui n'étaient pas là. About the water. Depuis le début. Ça, c'est John. Ça, c'est Laura. Ça, c'est Chris. Ça, c'est Claire. Et ça, c'est Thomas. Pousse-toi. Tu nous déranges. Nice.
Hey. Ils ont des prénoms, c'est pas pareil. Après, si moi je les genre sans le faire exprès, c'est probablement de ma faute. Parce que j'ai pas encore la culture de parler correctement. Ah oui, oui, effectivement, le narrateur les genre. Tout à fait, tu as raison. Alors, hop. Donc on va le faire dans cet ordre-là. Thomas. Claire. John. Et... Grognon. Grumpy. Square. Il manque un petit uptime aussi, effectivement. What? Ok. Chris. Ok. Soit. On a perdu Chris. Il va falloir aller sauver Chris. Ça, ça a l'air d'être un bouton orange clair. Et le problème, c'est que je peux pas l'atteindre. Si, je peux l'atteindre en faisant ça. Ok, d'accord. Ça veut dire que nos petits potes de l'autre côté, ils doivent réussir à se débrouiller tout seuls. Ah si, je sais. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Voyons. Voyons voir. C'est facile. Pousse-toi. Là, parfait. Sur la caméra va être un peu relou. Hop. Claire. Voilà. J'ai dit. Derp. Fouf. Et voilà. Tut tut. Thomas could tell Chris was in love. And that was fantastic and everything, but that didn't mean they could let the doom cloud keep following them. Thomas was going to put his foot down once they got to the next level. Parfait. Et après ça, je pense que je vais arrêter parce que je commence à être un peu trop fatiguée. Hop. Quoi? On a enlevé Thomas? Chris. Miss Thomas. Wow. Did not see that coming. He felt a little guilty too. J'ai l'impression que Chris et Thomas, c'est un peu la relation qu'il y a entre Alice et Lulu.
Et bien du coup, sur ce magnifique cliffhanger. Hop. Je vais sauvegarder. Que quoi? Le côté Thomas passe son temps à être tout le temps heureux et à sauter de partout, et c'est rapidement insupportable. Mais quand Thomas n'est pas là, oh mon dieu! Étrangement, il nous manque. Oh là, que se passe-t-il? Mais non, voyons. Ferme ça, hop. Sur ce... Sur ce, je vais vous souhaiter bonne nuit. Je crois que Ditz va être en train de stream. Donc n'hésitez pas à aller voir, et puis de toute façon, comme j'ai plein de chaînes en auto-host sur ma chaîne, vous pouvez regarder aussi ce qui va être diffusé si jamais vous avez besoin de regarder un truc avant de dormir. Bonne nuit tout le monde, merci d'être venu, ça me fait grandement plaisir de vous avoir vu passer. Lulu, si tu veux me suggérer des commandes, n'hésite pas à me les envoyer par message privé sur Faits Divers. Pour que je fasse la liste des trucs qu'il faudrait que j'ajoute. Parce que je suis en train de configurer mon bot en fait, ça met juste du temps. J'ai pas mal de trucs à regarder et à comprendre. Merci à tous, c'était cool. Et du coup, à demain pour du Armello.